Bienvenue chez Automobile de l'Est. Aujourd'hui, je vous présente la toute dernière arrivée, une Mégane RS Trophy 300 chevaux en boîte d'essai, donc en boîte automatique. C'est un modèle de janvier 2021, donc c'est les dernières séries où ça existait encore en 280 et 300 chevaux Trophy, puisque les nouvelles phases 2 sont toutes en 300 chevaux. C'est un modèle qui a 5 000 km tout juste, donc c'est quasi une voiture neuve. On va faire un petit tour esthétique, extérieur, intérieur, on va voir les équipements de la voiture, parce que tout ce qui est mécanique, pneus, tout est neuf. On peut voir que dessus, elle a été posée sur des ressorts à chair, elle a des cales d'élargissement, les jantes en full black et aussi une petite lame noire à l'avant. Elle est vraiment très jolie. On va faire le tour et on va aussi essayer la voiture. Niveau esthétique, donc la voiture est vraiment nickel, elle est quasi neuve dans son beau jaune Sirius. Après, c'est une voiture qui a quand même fait 5 000 km sur route ouverte, donc forcément gravillon, impact, ce genre de choses-là. Je l'ai passé à la loupe, j'ai trouvé qu'un seul impact. Il est juste ici sur le capot. Il a été repeint d'ailleurs, ça a été bien fait, c'est pas du pâté. Il y en avait un léger juste au-dessus. Alors si je laisse mon doigt à côté, c'est même pas la taille d'un ongle. Voilà, si je recule un petit peu, il disparaît. Tout le reste est nickel. On va quand même faire le tour esthétique. Donc on va faire les profils. Donc il y a zéro coup de porte. Et voilà, je rappelle qu'elle a que 5 000 km. Alors là, on voit bien avec les cales, les roues qui viennent juste à fleur des ailes, c'est magnifique. Plus les jantes en full black sont vraiment beaucoup plus jolies que de série avec le rouge dedans. C'est de la saleté. Pareil. Donc pareil, la remettre, on peut la remettre complètement en config d'origine. Il suffit d'enlever les cales et de replacer des ressorts. Ressorts d'origine qui ne sont pas fournis cette fois. D'habitude, on les a avec. Là, je ne crois pas qu'on les ait reçus. Il faudrait que je regarde. Si, apparemment, si. On a les ressorts d'origine. Donc impeccable. Donc on peut la remettre complet d'origine, sortie d'usine. Elle a à peine plus d'un an. La jante est nickel. À l'arrière, côté conducteur, elle est nickel. À l'arrière, côté passager, elle est impeccable avec les petits logos RS blancs là sur les jantes, très sympa. D'origine, il y a du rouge dessus, je les préfère en full black. C'est la deuxième qu'on a avec des jantes full black comme ça. Alors là, la voiture n'est pas préparée, on a juste mis un petit coup d'eau dessus. C'est plutôt compliqué de laver les voitures, là, il fait 40 degrés, ça sèche tout de suite. Des petites traces, mais bon, elle est vraiment très très propre comme voiture. On va encore checker l'état intérieur, surtout qu'elle est équipée des magnifiques baquets. Alors, niveau intérieur, panneau de porte côté passager. Bon, de toute façon, elle est quasi neuve. Et bien sûr, avec les récaros de folie. Ils sont juste magnifiques quoi. Avec l'espèce de carbone en tissu là, magnifique. Pareil dans les panneaux de porte. Ce faux carbone est super bien fait. Petite déco. Seuil de porte Renault Sport. L'ancien propriétaire a mis des tapis de sol Renault Sport. Plutôt sympa. On va voir. À l'arrière, comme d'hab. Le dos débaqué. Donc l'Alcantara. Juste parfait. Le panneau de porte arrière.
Donc avec les petites LED intégrées en plus dans les panneaux de porte. Ça, on va voir après pendant qu'on fait les équipements. Le dos du siège conducteur. Ce côté-ci de la banquette. Vraiment très sympa. Et enfin, le panneau conducteur. Sonobose, les petits seuils de porte Renault Sport, tapis Renault Sport, le volant cuir Alcantara, avec l'Alcantara tout neuf, elle sent encore le neuf à l'intérieur, c'est un truc de fou. Et le beau baquet côté conducteur. Bon, pareil, c'est tout neuf, c'est de l'Alcantara, pour faire des traces ou les enlever, il suffit de passer la main. Hop. Les sièges sont vraiment magnifiques. Non seulement ils sont beaux, mais en plus on est très bien assis dedans. La petite boîte auto, l'écran, et tout ce qu'il faut. RS Monitor. De toute façon, on va détailler les options tout de suite. Alors, pour les options, on a les anti-brouillards, une petite lame à l'avant, les cales d'élargissement sur les roues qui sont en full black. Sur des ressorts HR, donc elle est descendue, je dirais, de 3,5. Elle a le keyless, le fork control, bien entendu, donc les quatre roues directrices. Vous avez les roues arrière qui pivotent à l'inverse des roues avant dans les virages serrés. Elle a la petite musique d'intro, les baquets Recaro. Donc c'est une 300 Trophy. Elle a le système Bose. On va s'installer. Elle a 5056 km aujourd'hui, donc elle ira jusqu'à 5100 à peu près, je pense, si on la déplace de temps en temps, histoire de la faire tourner. On va la démarrer, on va la laisser faire son cold start tranquillement. Et là apparaît le HUD, qui me permet de regarder la vitesse, le GPS, ainsi de suite, tout en restant les yeux sur la route. Donc le système de navigation, la clim automatique, le stationnement automatique, petite mise au point, la boîte auto, régulateur de vitesse, les palettes au volant, bien entendu, le Bluetooth, audio, téléphone et musique, le réglage au volant de la musique. Ça n'a pas changé depuis des années. On trouve même le même dans les Clio et les Kangoo. C'est assez dingue. C'est vraiment le seul détail. Ah, un régulateur de vitesse adaptatif. J'avais pas vu. Je crois que c'est à peu près tout. On a fait le tour. On va la mettre. Voilà, tout de suite en sport. On a la différence au niveau du son. De toute façon, dans la vidéo, un peu plus tôt normalement, vous l'avez entendu tourner sur la route. C'est plutôt sympa. Donc les rétros, réglables, électriques, rabattables, électriques. On a les feux auto. Je me demande même si... Non, elle n'a pas les pleins feux auto. Les essuie-glaces automatiques. Et voilà, je crois que cette fois, on a fait le tour. Ah non, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Elle a le radar 360 et la caméra. Donc la caméra de recul et radar 360. Donc ça promet au niveau des portières, sur les côtés de la voiture. C'est vraiment dingue. Les petites LED de couleur dans les portières. Elle a les angles morts. Puisqu'on a le petit logo, petite mise au point, on a les logos juste ici. Donc elle a les angles morts. Donc elle est plutôt bien équipée. Voilà, hop. Dans cette belle livrée jaune Sirius. Ces beaux petits anti-brouillards. Vraiment top. Ça serait moi, je ferais juste encore les logos en noir et le haut des poignets en noir pour enlever le chrome. Là, elle serait juste parfaite. Un beau petit ralenti. Voilà, une voiture magnifique qui est disponible pour le moment. Les Mégane partent très vite. Vous avez le lien de l'annonce du Bon Coin dans la description. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les nouveautés qui rentrent régulièrement chez nous. Et ça fait toujours plaisir. Allez, bonne route!